Tia desaku laku tina du de faizu belia esia iuna saku madine ina. L'augmentation des concentrations de CO2, des températures et tout particulièrement la hausse du niveau moyen des océans impacte le fonctionnement de la mangrove. Présent sur 75% des littoraux tropicaux, principalement dans les pays émergents, cet écosystème joue un rôle écologique, sociologique, mais également économique pour les populations côtières. En février 2017, dans le cadre du programme de recherche Manao, une équipe internationale de scientifiques, constituée de chercheurs aux disciplines très complémentaires, s'est retrouvée en Nouvelle-Calédonie pour étudier une mangrove exceptionnelle. Dans ce contexte de changement climatique, nous avons décidé de développer un observatoire des mangroves qui se développe dans différents pays, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie et au Vietnam. Notre objectif est d'instrumenter différents sites afin de suivre leurs évolutions. Nous avons choisi ces pays car ils sont caractérisés par une biodiversité différente, mais également des climats différents et des pressions anthropiques différentes. Nous sommes ici dans la mangrove de Djimek, à Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit peut-être d'une des mangroves les plus préservées de la planète, où les hommes vivent en harmonie avec la nature depuis des centaines d'années. Cependant, cette mangrove, comme les autres, va subir les effets des changements climatiques, et notamment la hausse du niveau des océans. L'autre particularité de ce site est qu'il s'agit d'une mangrove se développant sur un atoll, sur une île basse, sans apport sédimentaire, sans apport de sol, depuis les bassins versants, depuis les montagnes. Le niveau de son sol va donc évoluer de façon plus lente que pour les autres mangroves. Uvéa is remote from any of those terrigenous sediment sources. So this is what you might call an end member system, and where it's purely biological in terms of sediment production. We have litter production by the mangroves themselves and below ground biomass production, so that's the root system. Or we have the animals in the lagoon which are producing carbonate sediments. And one of the key things we want to know is whether a system like this can keep up with sea level rise as sea level is starting to accelerate in terms of its level over time. The mangrove forests and other wetland communities such as salt marsh, they have to keep pace with that increase in sea level to sustain themselves in the long term. They look good. I'm amazed. I put them down at high tide. Conserving the mangroves is an issue that goes beyond just biodiversity. I think conserving the mangroves means that people can eat in the future and that communities really need mangroves into the future. So a lot of my research is motivated by that thought. You know, when I sort of really started to realise that the people of Indonesia, you know, they, without their mangroves, a lot of the coastal communities, they're going to starve. Or things are going to be a lot worse. Well, it's not only food, I suppose, it's all the other services. And because mangroves are so important for fisheries and coastal protection and other ecosystem services that they provide, you know, timber and all sorts of things that people use them for, that it's really important to try and understand how this habitat is going to maintain itself with sea level rise. So by doing this work on Uvéa, and this is maybe one of the few studies of like this in the Pacific, we really hope to contribute to the conversation about how Pacific islands are going to fare with sea level rise. All right, so here we have one of our electronic dendrometer bands, and these bands measure tree growth, except we're measuring every single hour how much the tree is sort of slightly increasing. Sometimes they shrink when they don't have enough water.
But over the year, we're hoping, or over the years, we're going to leave these on for the duration of the project. We hope to understand which environmental conditions are really good for tree growth, that favour tree growth, and which conditions are bad for tree growth, or when the trees are stressed. Pour connaître l'évolution de la mangrove au cours des derniers siècles, les scientifiques se tournent vers les archives sédimentaires. Ces carottages de sédiments permettront de déterminer la qualité du sol, mais surtout de le dater et ainsi de connaître la vitesse à laquelle il s'est déposé durant cette période. Une information primordiale dans ce contexte de hausse du niveau des océans. Nous avons perdu un petit peu, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas mal. Ok. Lost a bit, but... We can see different colors, which mean different composition of sediment. So, and also I can feel in the bottom of the core shells, which are very difficult and broke this part of the coring device. But this is very nice. This is nearly the entire depth of sediment that we have this location. So this will provide an excellent history of the sedimentation processes that contribute to the mangrove forest. 100 ou 200 ans, peut-être, on ne sait pas, but what we'll measure using naturally occurring radioisotopes to date the different ages and layers of sediment. Pour mesurer l'élévation du sol de la mangrove aujourd'hui, les scientifiques vont déployer régulièrement un instrument de mesure qu'ils nomment une table d'élévation de surface. Mais avant cela, la première étape consiste à trouver un point de référence, solide et stable. Ce qui n'est pas évident dans cet environnement d'eau et de vase. Yeah. Number 9 is beyond us. A little more parallel to the outstream. We've already put one. We're driving a steel rod until it does not go any further, and that creates a point from which we can measure how the elevation of the surface is changing with regards to vegetation, organic matter, deposition, root structure changes, and sediment loading. Yeah. I did the final creek. In terms of making the measurements, what we're doing is we're measuring the vertical distance from the top of the R-set arm to the top of each pin. So we measure to the nearest millimetre in turn as we work along the pins, like that, and the distance to the sediment surface is basically just the total length of the pin minus the vertical distance above the R-set arm, and that's what we use to develop our elevation relationship with over time.
Les scientifiques ont déployé d'autres instruments dans la mangrove de Njimek afin de recueillir davantage d'éléments qui permettront de suivre dans le temps la relation entre l'évolution du niveau de la mer et de celui de la terre. Le programme de recherche Manao va se prolonger sur plusieurs années. Les connaissances qu'il apportera seront particulièrement utiles à la communauté scientifique pour explorer les possibilités d'adaptation de la mangrove face aux changements environnementaux en cours. Par la suite, ces informations renforceront la résilience, c'est-à-dire la capacité de résistance des populations côtières face aux effets du changement climatique.